Depuis sa création aux Pays-Bas en 1963, Poème symphonique pour son métronome a été très rarement joué en public. Une mise en place scénographique compliquée, une préparation manuelle minutieuse, le recours obligé à une dizaine de personnes pour actionner de façon plus ou moins synchronisée les 100 métronomes limitent toute volonté de représentation. 32 ans après sa création, le sculpteur et scénographe Gilles Lacombe écoute un enregistrement de l'œuvre. Impressionné, il décide d'inventer une machine capable de la jouer automatiquement. En 6 mois, il mettra au point cet ingénieux mécanisme. Dès lors, Poème symphonique pourra être interprété fidèlement, à volonté et en public. Pour l'anecdote, sachez que lors de sa création en 1963, le concert a été filmé par la télévision néerlandaise. Ce soir-là, le dernier tic-tac de métronome laissait la place à un lourd silence, bientôt suivi de hurlements de protestation et de menaces. Le concert ne sera jamais diffusé.